Salut à tous, grand plaisir de vous retrouver pour cette rencontre dont le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Le ciel est chargé au-dessus de nos têtes, on annonce beaucoup de pluie dans quelques minutes, mais cela ne devrait pas doucher l'enthousiasme des supporters qui sont venus très nombreux, qui mettent une magnifique ambiance depuis une heure maintenant pendant la présentation des équipes, pendant l'échauffement. Tout le monde est prêt pour que ce match ait lieu et que le coup d'envoi soit donné dans quelques secondes. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Peut-être Christian Benteke, qui a toutes les qualités d'un grand avant-centre. C'est un vrai point de fixation pour son équipe. Mais il n'oublie pas d'y aller seul, parfois. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. La faute. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Oh, la main ferme! Et le ballon qui est remis dans l'axe. Chamberlain. Robertson. Qui veut se projeter. Liverpool qui vise un premier succès après deux premières journées très décevantes. Long ballon dans le sens du jeu. Danger repoussé pour le moment. Et il tombe sous la pression. Avec Roberto Firmino. Salah! C'est Salah qui centre. Un grand dégagement le plus loin possible. Roberto Firmino en retrait. Oh, ça peut être dangereux. Oh, l'interception! Un peu d'air. Oh, il espérait ce ballon. Il glisse le ballon en profondeur. Et l'arbitre accorde un 6 mètres. Et ce ballon en retrait vers le gardien. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Klein. Il cherche la profondeur. Parfaitement piqué. Bonne lecture de la trajectoire. Oh, le CSC, allez, il faut vite oublier, se remettre à l'endroit dans cette rencontre. Quel manque de réussite sur cette action-là, mais aussi quel manque de communication. Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin, mais bon, c'est le jeu. Mohamed Salah. Salah! Il cherche à le servir. Il ne se pose pas de questions. Oh, c'est bien joué. Ça doit faire but. Mané! Premier corner dans cette rencontre. Un peu d'oxygène pour sa défense. C'est joué long. Il y a peut-être un coup à jouer. Benteke. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Pour trouver la faille dans la défense.
Mohamed Salah qui est récompensé de son pressing. Le long dégagement du gardien. C'est joué long, attention. Voilà qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Et oui, c'est un coup du sort malheureux. Il va falloir surtout insister en deuxième mi-temps pour vite repartir. C'est loin d'être fini. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ouverture lumineuse. Wijnaldum à droite. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Et bon centre dans la surface. C'est bien repoussé par la défense. Wijnaldum avec Roberto Firmino. Il envoie le ballon dans l'axe. Liverpool va frapper le corner. Mohamed Salah, il va tirer ce corner. Danger repoussé pour le moment. Chamberlain. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Ah, et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes. Oh, l'inspiration ! De la tête, bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt, fine save. Il relance côté droit. Le bon dribble. C'était un joli tacle quand même. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. La passe dans la profondeur. Le petit 1-2. Il met le... Il tire. Le cadre se dérobe largement. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Voici Benteke, il met le pied, ballon récupéré. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Le retourner. Il rate le cadre. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Oxlade-Chamberlain. Il allonge vers l'avant. Il joue dans l'espace. La passe est précise. Ouf, un peu d'air.
Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, voici Benteke. Le jeu repart vers la droite. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Pour trouver la faille dans la défense. Le gardien loin devant. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. L'ouverture sur le côté. Il est passé. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ils glissent le ballon en profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Ils obtiennent la touche. Sturridge, il joue dans l'espace. C'est dégagé, loin. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Voilà, c'est une défaite et bien sûr, pour la suite, ce sont des points précieux qui viennent de s'envoler, là. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter ce match. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Darren, et au revoir à tous. C'est toujours un plaisir partagé.